casé où lui? Ah, il fait partie des légendaires? Ah non, non, il est pas légendaire lui. Attendez un peu. Ouais, reste décembre, donc non. Esprit d'un chevalier éliminé que l'on surnommait l'enragé, errant. Attaque sans interruption dès l'instant où il est invoqué. Profite le serment de ne servir qu'un seul et unique seigneur. Un authentique monarque. Ainsi l'enragé errant demeura jamais sans maître. J'espère qu'il m'attaque pas non plus. Parce que ça, ça serait le coup. T'invoques une cendre, elle se retourne contre toi. Ça c'est fait aussi. Je pensais qu'il remontait. Ah, les travaux commencent. C'est super. Si vous entendez quelque chose, je suis désolé. C'est le voisin qui fait ses travaux.
assez vite. On va perdre tous ouais. Surtout si on joue comme ça. D'accord. En haut, on l'a fait. Ça se fait que je l'ai pu oh, c'est galère ce truc. Je l'ai. D'accord, ça dépasse. Ah, je commence à comprendre pourquoi tout à l'heure j'étais dans la ligne. Ça vaut le coup. Non, ça en gros, je pense que... quelque part, j'arriverai pas à le retrouver.
ça qui donne... Oh! Ok. C'est pour ça qui donnait... la cendre du lignée. Le homme de chevalier de guerre. L'armure. Oh super, on a carrément le 7. Par contre on n'a pas les armes, c'est normal. Bon moi je crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire par ici. Bon, bon an mal an, on s'en tire quand même un peu. Sur la pièce en fait. Est-ce que ça vaut le coup que je remonte? De Dieu. Bon, en tout cas, je crois qu'on a récupéré tout ce qu'il fallait récupérer ici dans le secteur. Donc il y avait vraiment quelque chose encore à trouver. Par là. On va retourner au tout début. Ok, là on est bon. On va regarder tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Je suis à combien d'ailleurs en... Attendez. En rune, je suis à combien là? On va encore attendre. De toute façon, je sais que j'ai des runes sur moi. Alors, ici. Alors ça, c'est à vendre. Alors, l'âme de la menthe. En taille tournoyante. Puissance d'attaque. Ok, c'est une épée courbée, donc c'est de la dex à ça, à tous les coups. Ouais, dex qualité en fait. C'est ouais, c'est plus qualité même d'ailleurs. Ok. Et ça dit quoi? Épée courbée, pourvue d'une lame à chaque... Bah, ah ouais, mais c'est vraiment le coin où t'as les doubles lames en fait. Manié par les ombres des cimetières, gardien de tombe, couvert d'insectes. La lame est fine et affûtée, ses attaques puissantes permettent d'asséner un coup de taille à longue portée. En taille tournoyante, compétence appréciée des guerriers les plus adroits, vous tournoyez sur vous-même, taillez. Ouais, c'est à peu près... Ouais, c'est la cendre qu'on retrouve à peu près sur toutes les mêmes, quoi. Enchaîner compétence. Pour effectuer plusieurs attaques. D'accord. Ensuite, lui, on va le vendre. Annulaire. Donc ça, c'est un doigt, c'est une massue. Massue faite à partir d'un énorme doigt engoncé dans de lourds anneaux. Ah, ok. Il aurait été arraché à un ancêtre du doigt larvaire. Du doigt larve. Ce reliquat d'un antique acte blasphématoire n'est pas totalement dénué de vie, comme en témoigne la chaleur à peine perceptible qui s'en dégage. Compétence unique, Pichenette. Ah bah Pichenette, c'est un peu ce qu'ils nous font les mains là. Vous faites enfler le doigt, puis fléchissez vos jambes pour accroître votre force avant d'asséner une Pichenette dévastatrice à votre ennemi. Ouais. Et ça fait quoi en dégâts? Ok. Force. C'est plus un truc de force, mais bon, c'est plus qualité. On... Qualité orientée plus force. Ok. Bon. Je trouve pas ça terrible, mais bon. Ok. Ensuite. Ici. Arc court en bois rouge. Arc court en bois rouge, poli. Porté par les pages. Cette arme est l'œuvre d'un maître artisan. Cet arc acquiert davantage de dextérité que de force. Requiert, excusez-moi. Barrage. Compétence d'archerie consistant à tenir son arc horizontalement. Bondez votre arc, puis effectuez une série de tirs très rapides. Et punaise, si ça, ça fait plusieurs tirs très rapides, on met ça avec la cendre qui multiplie les projectiles. Ça doit être une mitraillette le truc. Ça c'est quoi? Arc à poulie. Arc long garni de poulies et de ressorts. Décrit comme l'œuvre d'un certain génie qui avait acquis les connaissances mathématiques et mécaniques complexes nécessaires à la création à travers le fondamentalisme de l'ordre d'or. Améliore la précision des tirs et permet aux flèches de parcourir bien plus longue distance. Tir puissant, compétence d'archerie, consistant à tenir l'arc en se courbant légèrement. Vous
ruban et votre arc est au maximum pour augmenter la puissance de votre tir et ainsi percer la garde des ennemis. Donc là on est sur tir puissant. Ok. Et on est aussi sur du qualité. Ok. Ah, je pourrais l'utiliser. 55. 50. Faudrait que je l'améliore aussi. J'ai pas fini. On va le garder pour l'instant. Et si on lui met une cendre... Alors ici, homme de chevalier de Galmir, ça je l'avais pas, mais j'ai mieux. Homme de chevalier limier. Ouais, j'aime mieux. Alors pour le monde, je l'ai. Arbre monde, il est là, je l'avais pas. Ta barre drapée de cuir, je l'ai. Chevalier de Galmir. Ah non, j'ai vachement plus solide. Armure du chevalier limier. Ok, bon, je pense qu'on est bon. Encore une bonne chose de faite.